Bonsoir, ici Bernard Briançon en direct de Cannes. Il est 22h32, 22h33 et vous assistez à la montée des marches pour la projection officielle du film de Liliana Cavani. Vous savez, le film Francesco. Voici d'ailleurs toute l'équipe du film, Mickey Rourke en tête. Mickey Rourke qui interprète, vous savez, le rôle de Saint-François d'Assise. Mickey Rourke, comme vous le voyez, toujours très bien entouré et pas seulement lorsqu'il va à sa banque. Si vous avez le sens du détail, vous pouvez observer la montée de Mickey Rourke. Voilà maintenant une montée des marches dans un style très acteur studio. Bien entendu, tout cela est parfaitement remarquable, non ? Pédibus, à pied, le chevelu aux allures de... Mickey revient à Cannes avec ce film Francesco, idée de casting douloureuse pour ses admiratrices, le rôle de Saint-François d'Assise. Saint Mickey sur la croisette ou comment le vœu de chasteté absolue cède le pas à un petit bonheur passager. Ah putain que je suis heureux, je suis vraiment réellement vachement heureux. Donc des mots choisis à défaut d'être bibliques. Mickey, vous pouvez nous dire quelques mots sur le film ? Eh bien, je suis très très content pour Liliana d'être venue ici au Festival de Cannes, le défendre. Et quelle est votre opinion sur le Festival de Cannes ? Sur ce genre de manifestation ? J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est très très important professionnellement. À peine débarqué, les obligations professionnelles pour une séance de photos quasi religieuse. Est-ce que tu peux mettre Mickey avec la réalisatrice ? Mickey, un saint heureux au paradis du cinéma, Mickey en pleine grâce, et pendant ce temps-là, Donald flippe. And you have Bush. Le président Bush ne peut pas accepter le fait que Gorbatchev soit honnête. Pourquoi il n'accepte pas l'honnêteté de Gorbatchev ? C'est parce que toutes ses valeurs morales sont fausses. Tout ce qui intéresse Bush, c'est de savoir combien il peut dépenser pour la défense nationale. S'il n'interdit pas la cigarette, c'est encore pour des questions de profit. Il continue toujours à vendre des missiles, même si c'est pour tuer des gens. Il n'a pas assez de couilles pour définir la notion de profit. Il soulève une guerre au Panama contre Noriega parce qu'il ne peut pas faire face aux problèmes de son pays. Il a un problème avec l'éducation nationale, il ne peut pas le résoudre, ce qui amène les jeunes à se droguer. Entendre pour voir, c'est le principe du nouveau procès. Direct sur FR3 dans DVLM, vous regardez, vous assistez, c'est une exclusivité à l'arrivée au 42e Festival international du film de Cannes. Vous assistez donc à l'arrivée du grand Mickey Rourke depuis James Dean, depuis Easy Rider. Mickey Rourke est un personnage tout à fait extraordinaire. Je vais passer l'oreillette, là, l'écouteur à Bernard. Si Mickey fait une déclaration, tu traduis. Nous essayons. Un petit coup avant le turbin. De toute façon, je suppose que la conférence de presse de Mickey Rourke, à laquelle vous assistez à l'heure actuelle, en direct sur FR3, je suppose qu'elle va durer quand même de longues minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est... En attendant que Mickey commence à répondre aux questions des nombreux journalistes présents à Cannes, ce que je vous propose, c'est d'assister au top CD. Alors, le top CD, c'est quoi t'es ? Eh bien, c'est le Mickey Rourke. La question ne s'adresse pas pour l'instant à Mickey Rourke, elle s'adresse à Liliana Cavani. Je vais maintenant prendre le temps de vous préciser que si Mickey Rourke est venu à ce 42e Festival international du film de Cannes, c'est pour représenter un film pour
promotionner un film présenté en compétition officielle qui s'appelle Francesco. Ce film, Francesco, c'est la vie de Saint François d'Assise. Alors évidemment, Saint François d'Assise et Mickey Rourke, ils n'avaient pas la même Harley Davidson, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le résultat doit être assez étonnant. Lilia Cavani, on la connaît, c'est une des grandes... Elle a fait Portier de nuit. Elle a fait Portier de nuit, elle a fait aussi la peau que moi j'ai adoré, la peau d'après le livre de Malaparte. Et ce film surprend un petit peu, la présence de Mickey Rourke surprend d'ailleurs, ça a été la première question. Maintenant, ce que je vous propose, c'est carrément d'écouter le son de cette conférence de presse. Vous êtes sur FR3 en direct dans Clem. I'm sorry? Can you hear? We can't hear you at all. On pose une question à Mickey Rourke. Yes. Okay. Mr. Rourke, I've heard some actors say that there are certain roles that leave an indelible mark on them, that they're never quite the same after playing the character. What of this role has remained with you? What do you think you will always carry with you from this role? On lui pose une question sur le rôle qu'il interprète dans le film de présenté ici à Cannes. Ah, he's thinking about it just a second. Il est en train de se marrer, là. Il se marre. C'est étonnant que... Tu as vu Barfly, hein? Non, first you. Alors, Mickey Rourke répond. Il répond en anglais, mais cela va être traduit tout de suite après. C'est en direct en ce moment même, au Festival international du film de Cannes, un événement, la présence de Mickey Rourke. Is that okay? Madame, would you please stand up? Apparemment, la réponse de Mickey Rourke n'a pas été traduite. En plus, le son n'est pas de très bonne qualité. Mais c'est quand même un événement. Si le film a permis de faire évoluer sa conception de la religion. Voilà, est-ce que Mickey Rourke est passé de l'Harley Davidson au crucifix? I didn't do any research at all for the part except try not to eat too much. Il n'a fait aucune préparation pour le rôle sauf se restreindre dans son régime alimentaire. As far as research, yeah, I didn't do any research. Point de vue recherche, néant. With such a character, so I left my when I met Liliana the first time. I really trusted her, and I kind of put myself. J'ai tout de suite fait confiance à Liliana. Yeah, I do believe in God, and having done this part, has your concept and your attitude vis-à-vis religion changed? Est-ce que son optique vis-à-vis de la religion a changé? I used to pray just to a particular saint. Now I say hello to Saint Francis too. You know that's the truth. Okay. Il y a une question à Monsieur ici. Un micro pour Monsieur ici, s'il vous plaît. Je vous rappelle que c'est DVLM sur FR3, la télé Destroy qui n'hésite pas à tout couper pour passer Mickey Rourke. Mr. Rourke, we're told in Italy, some ill feeling towards the film because avec des pleins de gens intervenants qu'on connaît même pas, mais le seul qui nous intéresse c'est Mickey Rourke, évidemment. Il aurait pu apprendre à cause de français, mais non, c'est de l'anglais. On s'en sort quand même car il y a Bernard Lehoux qui essaye de traduire. About being a superstar playing a saint, a historical figure. Est-ce qu'une superstar peut se permettre de jouer le rôle d'un saint?
reaction in? Oh, what was the reaction in Italy? I don't know. They say that they are outraged that an American star should play such a saint for them. Il semblerait que les Italiens soient outrés qu'une vedette américaine se permette de jouer le rôle d'un saint italien. If you don't mind sort of winding the reaction, what was the reaction in Italy? Non è vero che siano, ils sont pas tellement ragés. Ils sont pas tellement en colère. Vous entendez? I haven't followed what happened in Italy with the movie. Did you feel then, il n'a pas trop suivi ce qui s'était passé en Italie, en fait. The right person or you had the equipment to play this character? I don't think anybody could have played it like me. Does that answer your question? Personne d'autre n'aurait pu jouer le rôle d'un saint comme moi. Rire dans la salle. Voilà, voilà les meilleurs moments de la conférence de presse. On the film with Franciscan monks. I'm sorry. Can you tell us of your experiences with the Franciscan monks while you were in Umbria? Ah oui, alors en Hongrie, c'est entraîné, si on peut dire, avec des moines franciscains. Question here. Did you have to, when you were with the Franciscan monks, did you actually have to give up drinking and did your whole life? Est-ce qu'à cause des moines franciscains, il a arrêté d'exercer tous ses vices qui sont très nombreux? On parle de boissons, par exemple. Entre autres, oui. My lifestyle changes day to day, so I can't honestly say. Mon style de vie change tous les jours. Question ici à monsieur, et après à vous. Question ici d'abord, monsieur. Alors là, vous êtes en train d'assister. En direct, je dis bien en direct, bon, c'est en ce moment même à la conférence de presse de Mickey Rourke dans Brevet vend la mèche et on la vend bien ce soir. Encore une ou deux minutes avec Mickey Rourke, ensuite je vous donnerai les titres du 19-20 sur FR3 et on finira par quelques vieilles pubs car il y a la nuit des publivores ce soir et demain au Zénith. Ça marche pas. Je voudrais poser une question à André Ferréol. Comment elle l'a trouvé? Bien, ben, je pense que maintenant qu'on ne pose plus de questions à Mickey Rourke, qu'on va passer maintenant à la suite de ce Drevet vend la mèche. Il nous reste encore une ou deux minutes, ce qui va nous permettre, après cet événement, cet exploit de nos amis techniciens, de toute l'équipe des Fer 3 Lyon qui bosse, je vous dis, avec un cœur comme ça, et c'est vraiment sympa, je les remercie. Salut les mecs. Donc, les titres du 19-20, dans un tout petit paquet de minutes, c'est présent. Lunettes, accessoire de la star qui la masque et la signale à la fois. Meryl Streep, version chic, Mickey Rourke, version foire. Les lunettes le désignent, la vedette c'est lui, pas les autres. Les lunettes le cachent, frustrent le voyeur, avivent son désir, un regard, un seul. La référence au soleil ne trompe personne, d'ailleurs dès qu'elle ôte ses verres, la star atterrit, redevient humaine, familière, le quidam la tutoie. C'est mon frère. En vieux bristard, Marcello lui a tout compris. J'ai l'habitude, tous les acteurs croient de n'être pas reconnus avec les lunettes. Moi, quand j'ai fait la Dolce Vita, l'image était toujours avec des lunettes. Alors, je suis beaucoup plus reconnaissable avec les lunettes que sans les lunettes. Puis, il y a un petit peu de vanité. Les lunettes couvrent les rides, couvrent l'œil qui commence à être un peu l'œil d'un chien. Et alors, on se met les lunettes. Ça fait plus mystérieux. C'est une illusion. Mais nous, on y croit un petit peu. Comme on croyait dans le cinéma. Voilà. Mystère pour soi, illusion pour les autres, cinéma pour tout le monde.